S'abonner biso tout chez mon compte officiel. Vous avez information sur l'artiste et tout le monde culturel, tout côté politique. Donc tous abonnés, chaîne à mon compte YouTube chez mon compte officiel. C'est pas la TV et y en a makambu ya sikali zuzu. Oh, ba chaîne ya France et zana kati. Ba chaîne ya Congo et zana kati. Ba chaîne ya Londres et zana kati. Oh, nous mona makambu ya politique ya sika. Oh, parti AA et zana kati. Oh, parti BB. Oh, CFAIO et zana kati. Ya c'est pas la TV. Bouquet comme ya mouke boy. Ou tu n'as pas choisi voyager dans aucun partout lingi. Na bouquet no ya c'est pas la TV. C'est pas la TV. Même ma bisonne, on a 4K. Machine, ma daka daka. CPLA TV. Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Tokomi, Nathan, on a biso. Il y a notre émission, le temps de la résurrection. En ces jours, Dieu nous a fait grâce. Oyo tolingito partager nabiso nyonso oyezali parole de Dieu et tokotanga na livre ya Matthieu chapitre 21 verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagé vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-le et amenez-le moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. Bien aimé, tokotanga lisusu na livre na biso ya Marc. Après, to comprendre pourquoi même histoire totangi yango na deux livres. Oui, nazana Marc chapitre 11, versets 1 à 3, je lis au nom du Seigneur. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent près de Bethphagé et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Parole dit. Donc, le deux versets auto tikotanga oyo ya Matthieu 21 de 1 à 3 na Marc 11 de 1 à 3, mais toko se basé plus na livre ya Marc. Vous allez comprendre le pourquoi toko fanda mingi na livre ya Marc. Et notre thème, c'est le détachement. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le détachement. Le détachement, c'est l'action de se détacher.
Se détacher, c'est de délier, de défaire un lien, enlever le lien qui t'attache. Mais avant tout, côté, dans la profondeur, il y a un message d'Abisso, il y a des choses que nous devons expliquer. Oh, ils ont dit très important, et c'est que l'Abisso doit comprendre. Ce sont les villes où il y a Awa. Oyo yali vraiment important to ko comprendre. Bilobi, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, ils approchèrent de Jérusalem, Jésus et ses disciples. Or, to yebi que dans le livre des Actes des Apôtres, on dit que l'Esprit de Dieu était descendu le jour de la Pentecôte, c'était à Jérusalem. Donc, pour la première fois, l'Esprit ensemble est quitté l'Ikolo et les disciples naïe Ezaki na Jérusalem. Voilà pourquoi tu as dit que Jérusalem est un lieu de communion avec Dieu. Donc, peuple de Dieu, nous devons avoir une communion parfaite avec notre Dieu. Une créature ou une créature plutôt doit avoir une communion parfaite avec son créateur. Donc, tant que tu as déjà dans Jérusalem, tu peux faire dans la chambre, tu peux faire ta Jérusalem et Sikamoko Boy parce qu'elle est lieu, il y a communion ensemble. Elle est lieu, il y a rencontre avec ton Dieu. Pendant ta prière, et Zali, lieu moko, ya communion ensemble. Donc, pendant que tu pries, bien-aimé, nous devons vraiment, vraiment entrer dans la communion avec Dieu parce que c'est très important, parce que c'est notre Jérusalem, parce que Dieu veut nous faire du bien, Dieu veut entrer en contact et en communion avec nous, c'est dans notre Jérusalem. Voilà pourquoi, tant que vous avez ils approchaient. Donc, ils approchaient. Pendant que tu es avec ton Dieu, il faut s'approcher davantage pour avoir une communion parfaite avec. Et on nous dit encore que Tamoba s'approchait vers Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagé. Donc, deuxième ville, Bethphagé. Or, quand on parle dans la Bible, dans la parole de Dieu, Bethphagé Ezali maison de figues qui sont non mûres. Or, des figues, Ezali, ba fruit, ou outil na figuier, ou Ezali arbre, ou Ezali ko produire, ba fruit, mais ba fruit, on a dit non mûr. Ezali, ba fruit, on a dit écomélité. Or, quand on parle dans la parole de Dieu, dans la Bible des fruits, on parle des fruits du Saint-Esprit dans le livre de Galates. Donc, on parle des fruits de l'esprit. Alors, il y en a 9 fruits de l'esprit dans le livre de Galates. Oyo et bandi, na amour, et par, on passe par la patience et on termine par la maîtrise de soi. Donc, elle est très importante. Donc, tant que bazo wuta, bazo kende ko s'approcher na Jérusalem, oyo li li a communion, tant que bazo kote na communion avec Dieu, il faut que tes fruits, les fruits de l'esprit puissent se manifester dans ta vie. Mais que ces fruits ne exaltent comme les fruits y a Bethphagé ou y a qui non mûr. Il faut que les fruits de l'esprit n'aillent pas la mûr. Voilà pourquoi il y en a 9. Mais ton lobby, ton louti, ton amour, ton passé par la patience et le dernier fruit, ils maîtrise de soi. Donc, dans tout ce que tu es en train de faire, dans ta famille, dans ta vie, il faut que l'amour puisse être au-dessus de toutes choses. Il faut que tu puisses avoir de la patience dans la vie. Il faut que tu puisses avoir de la maîtrise de soi. Mais ton lobby, il faut que tu mûres. Parce que quand c'est mûr, c'est alors que tu mûres sur le monde que manga o eteli que ba fruit esa ko bima esa vraiment o yel ba fruit très important et les gens vont voir que réellement cet enfant, cette sœur, ce frère est réellement un vrai chrétien parce que
à cause de tes fruits. Par fruit de l'esprit, et cause là, manifeste parce que Yamoulin Nzambe a son amour. Donc, après ville, il y a Betfagé, la Bible dit, et de Bethanie. Ah, voilà. Parce que ce qui est au tangi dans le livre, il y a Matthieu. Matthieu a tiré qui ville haute, il y a Bethanie. Mais ici, il y a cette ville qui apparaît. Et ça, c'est un hasard que ville haute va tirer à haut. C'est un hasard parce que cette ville est symbolique. Matthieu a tiré à haut, mais Marc a tiré à haut parce que partout où Jésus partait, ce qui a été vers Mont des Oliviers, il faut aller vers Bethanie. Mais tant qu'on est à Bethanie, à côté de moi. Vous savez pourquoi? Il faut à côté moi, à quel côté là, où il y a une déco. Où il y a mon inga, ce qui a la kinde genini, ce qui a la kinde genini, a y a santé na ye. Y a ye, pas seulement ye, y a ye, na Marie, na Marthe. Mon inga na ye, c'est l'ami qu'on appelle Lazare. Voilà pourquoi Marc a mentionné cette ville pour dire que Ezaki ville moko o Yesu a correcté ko le kaka kande ngona sans pour autant ayeba kotala o ezali moninga na ye oyo ezali Lazare. Donc boko mona le ya to bekto simba mkana ya Marc. Pourquoi Marc a commis un boye et plus loin tant to bana ko kota o comprendre que il a fallu to intervenir ville oyo et na katipo et ça la biso message moko complet parce que et ça ma message yaka bozo kota makambu mo ezali ko correspondre te na texte oyoyo ozali kolobela. Donc voilà pourquoi to zu marque parce que plus loin to comprendre que il fallait to introduire livre Marc dans notre base na kata thème na biso central parce que cette ville nous dit quelque chose et nous dira quelque chose. C'était la ville par laquelle Jésus s'arrêtait pour voir son ami Oezali Lazare. Et la Bible continue. Après Bethanie, Bible Elobi, vers la montagne des Oliviers. Vers la montagne des Oliviers. Si nous lisons les livres des Actes des Apôtres, tu vas comprendre que sur la montagne des Oliviers, Jésus monta vers le ciel. Donc après sa résurrection, à Koufi, trois jours à Sekoui, étant à Sekoui, Jésus monta dans le ciel ou vers le ciel, c'était sur la montagne des Oliviers. Et la Bible nous dit que son retour est causé la kakalikolo et la montagne des Oliviers. Donc, ce sont des choses que tu dois collecter parce que c'est très important que c'est une bisoto qu'on va comprendre. Or, quand on parle des oliviers, olivier ezali arbre moko oyo ezali ko produire ba fruit. Et ba fruit nango ba di ko extraire ngo oyeli ko porter huile. Tant on te reparler plus loin, tu comprendre ton kenena huile wana poto ka ko yeba. Vers la fin. Donc, et cet arbre, il y a Olivier, c'est un arbre résistant. Pourquoi? Pendant le déluge, 40 jours et 40 nuits, tant que Noël a eu si réellement maille dans la surface, il envoya la colombe et la colombe avait ramené la feuille. Il y a Olivier. Et la feuille, elle a eu le bac. Le message que l'eau à la surface de la terre, c'est Ekaoki. Et Olivier, Ezali, arbre moko oyo, et résiste à qui? Pendant tout ce temps, oyo, déluge et ebekni nako salama. Et sur cette montagne des Oliviers, il y a eu encore des événements. Quand David avait fui pieds nus, tête voilée, à Kenaki Wabi, vers la montagne des Oliviers. Pour y avoir quelque résistance, parce que Abeliko Kima, il y a l'Absalom, Kokonaye, pour y avoir l'Ukaye, Abomaye. Non seulement ça, Salomon, sur la montagne des Oliviers, avait érigé ma veau d'or. Il y a eu Tia, il y a eu Bikeko, il y a eu et Bikeko, il y a eu Bikeko, il y a eu Josias.
oyo ayaki ko détruire yango nyonso wana elekaki sur la montagne. Alors après la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples. Bien-aimé, pourquoi Jésus n'avait pas envoyé un seul disciple pour aller détacher l'anneau qui était attaché pour Ayanaï verrier? Pourquoi Jésus n'avait pas envoyé trois disciples ou quatre, même cinq, parce que Azaki n'a pas 12. Mais la Bible déclare qu'il a envoyé deux disciples. Ah, donc, le chiffre 2, Elinkoloba, est le chiffre y a accomplissement. Donc, tant tu vois que la chose songe nayo, Makamob s'est répété deux fois, Elinkoloba, qu'il y a un message plutôt, que Dieu veut te faire comprendre. Donc, Rikolexango Bongote. Et ton moni même, pendant que dans le livre y a Exode, pendant que Moïse a commaki Atalin Zete Baneko Zika, Dieu l'appela non trois fois, non quatre fois, mais Dieu l'appela deux fois. Moïse, Moïse. Parce que après Yango Zaki, une mission que Nzambe Alingaki Kotindaye. De la même manière dans le livre des Actes des Apôtres, pour la conversion de Saul, Dieu l'appela deux fois. Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Donc, Dieu voulait une conversion. Donc, ce qu'il dit comme deux fois, de suite, na kat na vina yo, yeba ke, il y a un message que Dieu veut t'adresser. C'est la même manière, Nzambe tango abale ko benga sambo na kat ya temple, sambo na blatou ke tuna, oyo ezali, le sacrificateur Eli, akene ko tuna ye, papa, est-ce qu'on benga abino? Papa, est-ce qu'on benga non? Aïe sabi lala. Tango est commis pour la quatrième fois, pendant toute les trois premières fois, on s'est appelé Robengaye, alors Robengaye, Samuel, une fois. Mais tant que pour la quatrième fois, Dieu l'appela Samuel, Samuel. C'était pour sa vocation. Donc, Tolobi, tant que nous sommes allés au Tinda Bango 2, parce que nous sommes allés accomplir et loko moko na kati ya bat oya Tindaki. Donc, c'est très important de pouvoir souligner, c'est très important de comprendre que le chiffre 2 est le chiffre d'accomplissement. Quand Dieu veut faire, veut accomplir quelque chose dans ta vie, il y a deux fois, à deux fois, et pour pousser, de comprendre qu'il y a un message qui est codé de la part. Quand les disciples sont arrivés, Bakuti, exactement comme Jésus avait dit, Bakuti est un nom attaché. Que personne oyo nanu amatelakiye, et Jésus leur avait déjà prévenu, Abi, détachez-les et amenez-le moi. Et bango pe bakendaki lomola ki singana pe bayenaye. Bien-aimé dans le Seigneur, cet anneau est cause la paix. Parce que il y a certaines choses dans ta vie, il n'y a pas de progrès. Parce que soba kangi nyamola na mulai il y a singa, il y a 2 mètres. Donc, à côté, en fonction, il y a 2 mètres. Donc, sa circonférence, son surface, et aux alentours, il y a 2 mètres. À cause de ça, même pas 3 mètres, parce que c'est pratiquement impossible. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de projet, de progrès plutôt, dans ta vie, c'est alors que tu es freiné, tu es attaché. Le diable t'a attaché, attaché finance, attaché au Ezali mariage, attaché au santé. Voilà pourquoi Dieu a dit, il y a un message, il y a détachement parce que Dieu a le pouvoir de te détacher. Voilà pourquoi il envoya ses disciples pour aller faire ce travail-là. Mais ces disciples-là, aujourd'hui, basalité, parce que nous sommes au 21e siècle, ces disciples-là, c'est le message que moi je vous apporte, le message que Dieu m'a donné pour vous dire que vous serez détachés si tu crois au nom de Jésus. On va se détacher parce que le Seigneur a son apostolat. A l'unité que vit aux hommes menés. Via passe, via complication, pose loco, il faut osala be faut rebeller parfois peu au zoangote. Et voilà pourquoi Essengel ose la détacher, pose la délivrer pour la rendre libre. Yamwa lobi, bon longola yena singana, boyana est vers moi. Parce que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de cette anesse ou de cet anneau. Parce que azana yo posa nzambe azana posa na yo que vi oya ma be ozana ngo vi oya ma lambe ozana ngo vi ozo faire tromper parce que ozali malam nzambe ana posa otika viola yango a il envoie sa parole
pour que tu sois délivré. Parce que la Bible dit dans le livre de Timothée, la parole de Dieu ne peut jamais être liée. On ne peut pas lier Dieu. Et voilà pourquoi, essayez de délier pour oya na camp de Dieu. Pourtant, comme na camp on a, essayez aux parole. Tant que ma triste comme Seigneur est sauvé, c'est alors que cette parole au fond na quatre na yo, au cause là jamais jamais lié. Et la Bible des œuvres dans le livre Timothée, dans 2 Timothée, et l'action que la parole de Dieu ne peut pas être liée. Toi qui as Christ en toi, on ne peut pas te lier. Voilà pourquoi Jésus avait dit. Bokende, bozoye, bokende, bodelier. Parce que le Seigneur, écoutez, maintenant, alors, Dieu a dit, détachez-le, amenez-le vers moi. Parce que, aligné à rendre à Nyoana, à Nopito, aligné à rendre yo, aux la libre, puis à la kisayo, à former comme un disciple. Mais écoutez, pourquoi to zongi? Pourquoi na livre ya Marc, à sa qui allusion ya ville ya Bethany? Tolobaye que na ville ya Bethany na cette ville là et Jésus abonné ko tellement parce que il y avait son ami préféré Ozaki Lazare oyo amené ko fanda na bande ko na Marthe na Marie. Donc sikoyo to ko tala siko na Jean chapitre 11 verset 44 nous lisons au nom du Seigneur. Et la mort sortit les bandes et les pieds liés, pardon, les pieds et les mains. Vous excusez. Jean chapitre 11, verset 44, j'ai lu au nom du Seigneur. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Tango atini ba disciple, ayepsi ba mbozo anowana, bo délié, bo yanaye vers moi. Mais et comme dans tout il y a Lazare, Dieu dit, déliez-les et laissez-les aller. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi dans Anno, Dieu a dit, déliez-les et amenez-les vers moi? Et comme dans tout il y a Lazare, Dieu dit, déliez-les et laissez-les aller. La première chose, on doit comprendre que Lazare était mort. Mais pour nous, Azaki mort. Et l'anneau, il était encore en vie. Et autre chose, Lazare était l'ami de Dieu. Azalaki, ami naïe, créature naïe, comme anneau. Lazare est créature, mais différence, c'est Azaki. Lazare, c'est ami ensemble. Ami de Jésus. Donc, et en étant ami, il connaissait bien Christ, parce que ami naïe, ayebi, azaki déjà disciple formé, azaki déjà ayoki mingi, a comprené qui m'a quand même belé sur le Christ. Et voilà pourquoi abi, bon délié, bon tikaya kene. Parce que ayebi que gloire zali, a repengwate, a otemoran, parce que il a été déjà formé. Mais en ce qui nous concerne, c'est un nom. Et il a fallu aya kofana makula yesu pour apprendre encore. Yon abaki, bon délié, mais bon yana ye. Et zan ba batu moussousou, ba kreti moussou yan zambe, soki akoui, bon délié, bon après délivrance, il faut yako fond ma kouban toma pour apprendre comment marcher avec le Seigneur. C'est très important. Et voilà pourquoi, yon tout le baki, ne bandeli, pourquoi Bethany écoute na katia livre Marc. Parce que il y avait un ami, à Christ qui était là, au père qui délié, mais yon batika qui est. Dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 44, et ici, on nous donne des précisions en ce qui concerne Lazare. Dans le but, 1. Ses pieds étaient liés. On va préciser la précision que ses pieds étaient liés. Le roi de les pieds étaient liés. Or, la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, Dieu a tout mis sous nos pieds. Dieu a tout mis sous nos pieds. Donc, nos pieds, ils ont le pouvoir d'écraser nos ennemis. Donc, même si il y a il faut oyer autorité l'icône en leur écrasant avec tes pieds. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir d'écraser avec tes pieds.
Donc, esengeli oyo ba ko écraser binemi na mususu avec tes pieds. Et ce qui ba pied wana nzambe atika ki yango, c'est pour que Lazare, c'est pour que Yonanga toko ko utiliser ngo, toko ko servir comme arme pendant nos prières de combat. Et ba ekoloba. Deuxièmement, ses mains étaient liées. Mais ces mains-là, il a fallu balonner la bande, on a été délié parce que les mains, tes mains, mes mains, nos mains à nous, elles sont symboles de force. Elles sont symboles de force. À travers nos mains, tout ça, c'est activité. Tout ça, c'est activité. Maboko oyo yango simbaka yango maboko oyo etom la bloka poa maboko oyo yango sala ba service e belé. Donc soit que ton to progresser, il faut que nos mains soient déliées, même sur le plan spirituel. Et sengeli yo oyo simbaka mbongo soko simi mbongo mbongo ti ba mbongo sala na ngote aussi mi mbongo mbongo sa ko glisser aussi mbongo a ebelé lelo na maboko na yo lobi ce n'est loko mokote, c'est anormal. Ces mains là nécessitent des prières afin que ces mains là o ba tobolaki sur le plan spirituel, nous avons abandonné afin que nous allions libres que forcément il y a ma boko na yo et la force oyo et qu'on permettre yo d'évoluer et d'aller plus loin. Et pendant que vous allez coquer plus loin, pendant que vous allez qu'on n'y a pas de mina yo, pendant que t'es mis aussi et vous allez commencer l'activité dans le monde normal, la force on s'en va pécio pour aucun des plus loin. Troisièmement, la Bible nous dit que le visage était enveloppé dans la linge ou les équipés yako kanga. Mais quand on parle de visage, il y a ressemblé makambu ebele. Parce que tant au visage n'est qui lié, donc misu pe ce qui est au kangama, matoi pe ce qui est au kangama, monoko pe ce qui est au kangama. Aujourd'hui, on a des enfants de Dieu. Juste à preuve du contraire, assemblé là des années et des années, mais sur le plan spirituel, à ça aveugle. Il ne voit rien. Pasteur Nzamba le binini. Pasteur n'est pas mon ilayo. Donc toi, tu n'as pas la forme ou tu n'as pas quelque chose pour comprendre que Esengeli Nzambe peut utiliser yo. Mais tu es là des années et des années en prière, mais sur le plan spirituel, tes yeux ne voient rien. Il faut oser la délier. Même sur le plan Yamatoi, il faut que les oreilles spirituelles. Et ça, la misère nango, c'est une oyeur spirituellement pour comprendre la pensée de l'autre camp afin de pouvoir marcher conformément à la parole. Oyeba, pour éviter ma piège d'ennemi. Même ta bouche, spirituellement parlant, plutôt, mounokonayo, ezolé la terre, ezolé la terre. Toyebi, tant que maman bakena kobota, pour te comprendre, mon an ou na vine akoloba, et c'est une mon an alela. Mais yo, tisiko, banda ozoa baten. Bando pendant qu'on priait, même par la langue, il y a katina katavina. Donc, Ozali, Baba, spirituellement, et c'est que nous sommes, Aleka, nous avons délivré, Aleka, nous avons manifesté grâce et gloire, nous avons katina, afin que, au long avec le Olongwa, Oezali, Moutou Oyo, Azali Kolobate sur le plan spirituel. Donc, voilà pourquoi, Esengeli bien-aimé, tes pieds est la déliée, tes mains est la déliée et ton visage est la déliée afin que Ozwa un véritable, une véritable plutôt délivrance, afin que Ozwa libre vraiment, afin que Ozwa détaché, n'abesprit à ma baie, afin qu'on se la délier, bah, défaire yo de tout le lien. Bien sûr, awa, ton, quand ta personne a confondu, il y a ma enseignement sur le lien, te, mais tu as le blaka comme moi, l'icolo, pour te comprendre que tu peux être lié, il y a, sang, qu'on se lié par le nom, qu'on se lié, n'a ma kamboué belé. Il faut que le Seigneur te délivre en te déliant, parce que c'est la volonté du Seigneur. Donc, tu as qu'on comprendre que l'anneau, il fallait as la délier, afin que Azala libre pour Yesu Amazanae pour accoter la gloire naïe dans la ville de Jérusalem. Et ainsi que Lazare, il a fallu se délier, Pebatikaya Akende, parce que Azakina besoin une nouvelle vie. Mais, bien aimé, on doit comprendre encore une chose.
Yesu a insisté à le dire que cet anneau là est un tout non en matière de parce que il y a une côte ville à Jérusalem c'était pour la gloire na yé c'est à côté de la ville wana. Mais bien aimé, est-ce que Jésus ne pouvait pas entrer seul avec ses disciples, avec ses deux pieds? Est-ce que c'était pratiquement impossible? Donc, Jésus a koti na oyezali na ano. Ano wana azalaki na quatre pattes. Et il y a senga qui est parce qu'il fallait kota na pour la gloire n'engana kota na quatre villes, il y a Jérusalem. Entre-temps, on se pose la question, est-ce que Jésus ne pouvait pas entrer comme ça, avec ses deux pieds à côté de la disciple Naïe? Pourquoi Jésus avait utilisé l'anneau? Parce que Jésus avait deux pieds, mais l'anneau a quatre pattes. Or, dans les quatre pattes, il y a l'anneau, il y a le secret aussi dans les quatre pattes. Et voilà pourquoi, tant que Jean-Baptiste abané ko batisa Yesu. Tant abané batisa plutôt batu na katia Jourdain. Et tous ces gens qui étaient aux alentours de Jean-Baptiste, ba monaki Jésus, fils de David, fils de l'homme, fils de Zébédé, ba bengati ba komonios ou ba monaki. Mais quand Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, Jean l'a vu avec quatre pattes. Et voilà pourquoi Jésus vient à Jérusalem. Il fallait qu'on ait quatre pattes parce que ma patte qui est très important, il fallait qu'on ait un mois, qu'on ait 104 pattes. Voilà pourquoi à demander qu'il y a un an, il fallait qu'il y ait un an. La première patte, elle est patte à connaissance. La deuxième patte, elle est patte à sang. Troisième patte, elle est patte à sacrifice. Et quatrième patte, elle est patte à graisse. Or, graisse, vous l'entendez, le baki. Graisse, elle est huile. Qui dit huile, il voit le Saint-Esprit. Qui dit le Saint-Esprit voit l'onction. Or, l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à ses enfants pour un service donné. Et, comme Jésus a eu une onction, il fallait qu'on ait un mot pour ça, nous sommes dans la ville à Jérusalem. Et Jésus avait trois formes. Jésus était reçu comme un roi parce qu'il y a une onction royale. Jésus était reçu comme un sacrificateur parce que Azaki na ancien sacerdotal et Jésus était accueilli comme un prophète parce que Azaki na ancien prophétique et voilà pourquoi il a fallu Jésus à côté avec l'anneau à côté avec Bongoté il fallait côté l'anneau parce que lui-même est l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important makam o yo ko comprendre ngo parce que tant que Yesu so côté na kat na vie na eux. Il a donné une connaissance, a une connaissance, a un pouvoir, a un nuance qui est pour ça, service, na tant on s'appelle ça qui est pour dire à quoi gloire et grâce dans Zambé, na quatre patins au yé avant de couper. Donc, bien aimé, tant que le baké, na tant que vous allez tant que la quatia, ma commande Zambé, donc Dieu vous bénisse vraiment pour Yom Zali pour le message Oyo. Et voilà pourquoi, Topessi, merci. Na responsable oyo a dit qu'on peut s'abuser grâce à faire passer message tandis que l'anda bisou na IC News il y a notre frère Francis Miatembo et puis l'anda bisou awa na chez Mokonzi officiel et pas ya yemoko autorité morale topé si bongo mbote na ba chinois nyoso oyo okozwa porter yo rend un message na bisou. To pesi mbote na ba mama nyoso to ya bana membre nyoso to pesi bango mbote bana kinga kati to pesi mbote na ba défenseur na ba charge to pesi mbote na bana nyoso ya Gombe que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi tantôt si ça na lusambo en fait que Nzambe aye ba osala grâce na kati ya ba vida biso esko ali to kangimis pona to bondi la Nzambe to pesi yo merci pour le message na yo. To remettre di bota na yo na se na maboko na yo to sengi grâce pe faveur na yo et tambour na peuple na yo mutu nyonso ndi komosi pe mobali oyo nyonso azali ko kangama d'une manière ou d'une autre avec telle situation to sengi faveur na yo et sika nyonso ya fami na quatre coins ya monde et sika nyonso message oyo ko comme la ye que Seigneur de gloire azla délivrer azla détacher azla libérer
par le nom puissant de Jésus. Nzambe salande ko mobali oyo grâce. Salande ko mwasi oyo grâce. Oyo makamisa ko machete. Oyo aza ko lukwa butupe na moina. Oyo aye biote. Mais oyo ako yoka message oyo. Nzambe miracle na yo. Miracle na yo. Résurrection na yo. Esika ba tchakiye. Esika makabe tangamaki. E fongwa mana kombo na yesu masia. Tika ete nzambe na nguya. Aye bana ko visite pe. Aye bana ko bate la bino. Que l'amour de Dieu le Père. La communion du Saint-Esprit. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de tout et chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. C'est Pela TV et yena makambu ya sikali susu. Wo ba chaîne ya pour France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. Wo ngomo na makambu ya politique ya sika. Wo parti AA ezana kati. Wo parti BB O CFAIO ezana kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya mouke boye, o tina poche voyager na ngoke no partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais mabiso ngozo mi mabiso wana 4K. Machine madaka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.